Mesdames, j'ai décrypté des fragments de renseignements volés sur l'ordinateur. Des rapports de nazis qui ont survécu à une tornade du nom de Blaskowitz. En recoupant ces données et en les associant, j'en ai déduit qu'il était à la recherche d'un endroit appelé le Labo X. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Grouillez-vous! Attends un peu, Jess. Il n'y a que quelques privilégiés qui savent où se trouve le Labo X. Assieds-toi, demeurez. Je t'emmerde. Vous parlez allemand? Suffisamment. Babi? On a intercepté une transmission venant du général Lothar Brandt. Écoutez. C'est tout ce qu'on a. Tiens, donne-moi ça. Le général Lothar a construit les frères pour soumettre Paris et en prendre le contrôle. Dans chacune de ces tours, un Uber-commandant est le gardien des clés des ordinateurs principaux. Si nous parvenons à mettre la main dessus, nous pourrons alors débloquer l'entrée du Labo X et trouver votre père. Se faufiler dans les tours, tuer les Uber-commandantes, voler leurs clés, accéder aux ordinateurs, et c'est dans la poche de Mamie Maggie. Ma grand-mère s'appelait Janine. Et elle a été tuée par les nazis. Oh, désolé, vraiment, c'est juste une expression que Kenneth et Arthur utilisaient. Allez, détends-toi, je te faisais seulement marcher un peu. Je la connais, l'expression à propos de Mamie Maggie. C'est pour moi. Merci. Sauf, je pense que les frères ne sont pas à votre portée. Il faudra que vous vous entraîniez avant d'avoir ne serait-ce que l'idée de vous approcher des tours. Bon courage. Ah, et n'hésitez pas si vous voulez plus de cigarettes. D'accord, les filles? C'est du bon travail, Abby. C'est dingue ce qu'elle a la classe. Y a pas un truc qui nous échappe? Genre quoi? Le serpent dans les hautes herbes. Tu pourrais pas profiter un peu de la vie de seconde, Jess?